Donc bonjour, bienvenue dans 101%, le vendredi c'est n'importe qui, et donc aujourd'hui c'est moi, François, je suis le créateur de la série Le Visiteur du Futur qui est diffusée sur la chaîne No Life, la seule chaîne qui est capable de diffuser ce genre de conneries. Donc aujourd'hui on va voir dans l'émission une critique de jeu, donc à savoir Disney Epic Mickey sur Wii, puis après l'émission Ce soir j'ai raid présentée par Fred des Noobs, puis on finira par les sorties animées et manga. Mais tout de suite, les news. In my world, nothing's ever soft and easy. Unbound Saga se présente sous la forme d'un beat'em all où l'on dirige un gros bill et une folle de la machette à l'intérieur des cases d'un comic book. On pense tout de suite au Comic Zone de la Mega Drive, mais aussi au tout récent et plutôt sympathique Comic Jumper, disponible depuis peu sur Xbox Live Arcade. Unbound Saga comme Comic Jumper est réalisé en 3D, mais doté d'un gameplay 2D. Jouant lui aussi sur la veine parodique, il s'avère un peu moins drôle et surtout bien moins varié. Il affiche en revanche deux héros à l'écran. À deux, chaque joueur prendra le contrôle d'un personnage, tandis qu'en solo, il est possible de switcher de l'un à l'autre. Si on peut bien entendu éclater une tonne d'ennemis qu'une main géante dessine sous nos yeux à l'écran, les décors sont également destructibles et il est même possible de s'armer des débris. Malheureusement pour Unbound Saga, le genre beat'em all est largement représenté sur XBLA. Et la concurrence, composée de titres aussi accrocheurs que Scott Pilgrim, Shank, Comic Jumper ou même Final Fight, ne laisse aucune chance à ce titre qui a bien du mal à digérer ses influences. Une compilation contenant les deux épisodes Xbox de la série Oddworld devrait sortir sur la plateforme Steam pour les fêtes de fin d'année. On retrouvera ainsi Stranger Wrath et Munch's Odyssey. Les titres seront aussi disponibles sur PS3, mais on ne sait pas pour le moment s'ils seront remasterisés en HD ou s'il s'agira juste d'un portage des jeux Xbox. SNK devrait distribuer plusieurs titres Neo Geo sur le PlayStation Network à l'occasion des 20 ans de la console. On retrouvera ainsi des grands hits comme Metal Slug, Magician Lord, Samurai Showdown ou encore Fatal Fury par exemple. Les jeux seront téléchargeables sur PS3 et PSP, à des prix différents selon la console. La sortie est prévue pour le 22 décembre au Japon et une date française ne devrait logiquement pas tarder à tomber. Après la rumeur d'un éventuel Diablo sur console, c'est au tour des studios Creative Assembly de laisser entendre qu'un Total War, série jusqu'alors exclusivement PC, serait envisagé sur un autre support. En effet, un des développeurs de la franchise de Sega aurait, durant son temps libre, mis au point un système permettant de jouer au pad. D'après les développeurs, la vraie question n'est pas de savoir comment il a fait, mais plutôt de savoir si le jeu se vendrait bien s'il était porté sur console. Et oui, ce n'est pas parce qu'ils peuvent le faire qu'ils vont le faire. Une petite info pour les fans de Disney Epic Mickey et surtout de Warren Spector. Sachez que le game designer interviendra au Forum des Images à Paris, à l'occasion de la 8e édition du Carrefour de l'animation, qui se tient du 8 au 12 décembre. Warren Spector partagera son expérience conséquente de la création, et donnera une conférence sur les étapes du développement de Disney Epic Mickey le dimanche 12 décembre à partir de 16h. Bonjour, c'est Justine du Visiteur du Futur. François étant plus mauvais que moi, il s'est fait virer de No Life. Donc je le remplace et j'en profite pour faire un énorme bisou à la plus grande fan de No Life, à savoir ma coiffeuse, Vanessa, grâce à qui je suis rousse depuis un an et demi. Sur ces bonnes paroles, place à la critique du jeu Disney Epic Mickey. Les premiers trailers d'Epic Mickey avaient laissé entrevoir un univers plus sombre et mature que ce à quoi nous avait habitué la souris vedette de Disney. Rien d'étonnant à cela, sachant qui était aux commandes du projet, Warren Spector. Le papa des System Shock et Deus Ex, cher au cœur de Julien Pirou, comme en témoigne le Retro and Magic consacré à la série des System Shock, affectionne tout particulièrement les mondes pas si joyeux et la notion de choix moral, le joueur devant assumer les conséquences de ses actions. Appliqué à Mickey, ces principes donnent naissance au monde de la désolation, dans lequel vivent tous les personnages désormais oubliés de Walt Disney, loin des paillettes et de la gloire qu'ils ont autrefois connue. Le pari était osé pour Warren Spector et son studio Junction Point, Mickey étant souvent mis en scène dans des univers colorés, joyeux et plutôt insouciants. Comment allait-il donc pouvoir se débrouiller pour créer un monde cohérent et crédible alors que la souris phare de Disney évolue habituellement dans les environnements à mille lieues de ceux proposés par Epic Mickey ? Ah !
jour très étrange. Inspiré par la lecture de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, Mickey va traverser le miroir se trouvant chez lui. C'est comme ça, on ne discute pas, normal. En passant de l'autre côté, il arrive chez Yen Sid, le magicien de Fantasia. Ce dernier est en train de mettre la touche finale à sa dernière création, un monde qui abritera toutes les anciennes vedettes, aujourd'hui oubliées de tous, des premiers films Disney. Alors que le vénérable mage, ayant finalement achevé son œuvre, se retire pour prendre un repos bien mérité, Mickey s'empare inconsidérément du pinceau magique utilisé par Yen Sid afin de s'essayer lui aussi à la magie. Ce qui devait arriver arriva, non seulement Mickey sème le chaos dans le monde de la désolation, mais en mélangeant la peinture et le dissolvant, il va également donner naissance à un effrayant monstre qui va encore plus aggraver la situation déjà peu enviable du monde. Pris de panique, Mickey court vers le miroir afin de réintégrer son propre monde, et à mesure que le temps passe, finit par oublier l'incident. Mais plusieurs mois plus tard, le monstre qu'il a créé, ayant acquis suffisamment de puissance, vient chercher Mickey et l'entraîne de force dans le monde de la désolation. Arrivé contre son gré dans ce monde ravagé et inquiétant, Mickey va devoir trouver un moyen de rentrer chez lui et, éventuellement, de restaurer l'harmonie du monde de la désolation qu'il a lui-même dévasté. Pour ce faire, il bénéficiera de l'aide de Gus, le chef des Gremlins, un peuple apparemment adepte de l'ingénierie à la russe. Si ça marche pas, tape dessus avec ta clé à molette jusqu'à ce que ce soit réparé. Et d'Oswald, le lapin chanceux, la toute première star de Disney, qui considère que Mickey lui a volé la vie et la gloire qui auraient dû être les siennes. Le reste de son périple ne dépend plus que de vous. Le gameplay d'Epic Mickey repose sur deux bases très simples. Mickey ayant gardé à la main le pinceau de Yen Sid lors de sa venue dans le monde de la désolation, il peut à loisir projeter de la peinture ou du dissolvant sur les décors et ennemis. La peinture sert à créer, réparer, en somme, remettre en ordre ce qui se trouve autour de Mickey, afin de faire apparaître des plateformes et de donner un aspect chaleureux et accueillant aux environnements. En aspergeant les ennemis, ces derniers deviennent amicaux et aident même Mickey à lutter contre leurs congénères. Le dissolvant, lui, sert à détruire et briser les obstacles qui lui barrent la route et donne un air lugubre et désespéré au décor. Son effet sur les ennemis est on ne peut plus radical, puisqu'il est fait purement et simplement disparaître dans une flaque de liquide verdâtre, telle une bonne petite trompette des familles. À cela s'ajoute une attaque au corps à corps, déclenchée par une secousse de la Wiimote. Ce mouvement s'avère très utile pour repousser les ennemis lorsque ceux-ci se font trop pressants, achever, après que vous ayez dissous leur armure, les robots créés par le scientifique fou, et récolter toutes sortes de bonus cachés dans les décors. Parmi ces derniers, les plus courants sont, outre les recharges de peinture et de dissolvant, les tickets de cinéma, qui servent ici de monnaie que vous pourrez échanger contre divers artworks et items au bazar de Main Street. Ce dernier est une sorte de Main Street, triste et délabrée, dans laquelle la statue de la place centrale représente non pas Mickey, mais Oswald tenant la main de son créateur. C'est dans ce lieu, ainsi qu'à Ozville, la ville établie par Oswald, que résident la plupart des personnages oubliés des films Disney. Ceux-ci vous confieront diverses missions que vous choisirez de réussir ou non, selon votre bon vouloir et vos inclinaisons personnelles. Vous pourrez ainsi choisir de faire le bon samaritain et de réparer tous les torts afin de restaurer le monde, ou bien de semer la zizanie, comme si le monde en avait besoin, afin de ne servir que vos intérêts personnels, les quêtes et énigmes pouvant bien souvent se résoudre de deux manières différentes. Le monde de la désolation étant un univers dont les habitants sont issus de films d'animation, les voyages entre les différentes zones de jeu se font logiquement via des écrans de cinéma. Au cours de ses périples, Mickey traversera donc autant de films qui ont fait son succès et celui d'Oswald, dans des phases de jeux 2D en noir et blanc, qui sont l'occasion d'amasser des tickets de cinéma et des bobines de films, ces dernières débloquant divers bonus lorsque vous les présentez à l'ouvreur du cinéma de Main Street. Films d'époque, concept arts et j'en passe. Epic Mickey dispose d'une ambiance graphique et sonore en tout point magistrale. Les mélodies tour à tour épiques, mélancoliques et inquiétantes participent grandement à l'immersion dans cet univers à bout de souffle et quasi désespéré qu'est le monde de la désolation, soutenu par une direction artistique à couper le souffle. Alors oui, on est sur Wii et ça se voit. Mais nul besoin de Full HD relief pour être plongé dans l'univers créé de main de maître par le studio Junction Point. Les environnements peuvent être à votre gré, joyeux et colorés, ou mornes et lugubres, l'ambiance d'une même zone changeant du tout au tout lorsque vous l'aspergez de peinture ou de dissolvant. Il est seulement un peu dommage que, peu importe les efforts que vous fournissez dans un sens ou dans l'autre, afin de les restaurer ou dégrader intégralement, Main Street, Oswald et les autres aires de jeu reprennent immanquablement leur aspect mi-figue mi-raisin dès l'instant où vous les quittez.
Il aurait été appréciable qu'elle garde les marques de votre passage d'une visite à l'autre. Un autre reproche, mais le mot est un peu fort, est aussi à faire au voyage entre les diverses zones. Si les phases de plateforme en 2D sont très appréciables, inventives et plaisantes la première fois qu'on les parcourt, certaines quêtes forcent à faire des allers-retours entre Main Street et Huzzville et il devient vite lassant de parcourir plusieurs fois de suite le niveau intermédiaire dans un sens puis dans l'autre. Le vrai gros bémol du jeu réside dans la gestion de la caméra, qui peut être centrée derrière Mickey grâce au bouton C et orientée manuellement avec la croix directionnelle de la Wiimote. Par défaut, l'angle de vue sera souvent peu pratique dès lors qu'il faudra réaliser des sauts précis, ou pendant certaines batailles contre plusieurs ennemis à la fois. Encore pire, les contrôles manuels refuseront parfois tout simplement de fonctionner, vous laissant vous débrouiller avec une caméra placée d'une façon laissant franchement à désirer. En outre, oubliez l'idée d'asperger les ennemis ou les décors du haut d'un surplomb. Le plus souvent, Mickey barbouillera juste ses pieds de peinture ou de dissolvant malgré le fait que sa cible paraisse atteignable par un tir direct. Cependant, ces défauts ne ternissent aucunement le plaisir qu'on éprouve à incarner Mickey dans cette aventure atypique pour la souris star de Walt Disney. Rythmé de bout en bout, muni de quêtes nombreuses et variées permettant diverses résolutions et offrant moult choix moraux, le périple proposé par Epic Mickey vous tiendra en haleine jusqu'à son dénouement. Dénouement qui ne se présentera pas à vous avant au moins une bonne dizaine d'heures si vous rushez le jeu et facilement une grosse quinzaine, voire beaucoup plus si vous flânez et que vous prenez le temps d'explorer l'univers comme il le mérite afin d'assouvir votre collectionnite aiguë. Sachant que le jeu propose 4 fins différentes selon les actions que vous avez choisi d'accomplir au fil de l'histoire, la replay value est également au rendez-vous de cette production d'exception. Pour conclure, si le pari de faire d'Epic Mickey un jeu à l'ambiance sombre et mature et à plusieurs niveaux de lecture, convenant ainsi aux enfants comme aux adultes, était loin d'être aisé, force est de constater que Warren Spector et son équipe l'ont remporté haut la main, faisant de ce soft l'un des meilleurs jeux Wii de l'année 2010. Rien de secret, tout se transforme, on pourrait penser que je suis Slim de French Nerd, pas du tout, je suis toujours Justine Le Potier, bien dans mes bottes. Alors, changer un homme en femme, eh bien, c'est un petit peu comme l'alchimie, certains diraient, c'est un petit peu comme passer du plomb à l'or, passer de l'homme à la femme. D'autres, en revanche, disent qu'on s'en fout et qu'on regarde ce soir Jared. Et ils ont raison. Tu as posé tes jours de congé? Tu as éteint ton téléphone? Tu as rempli ton frigo de boissons énergisantes? Tu es prêt à subir des jours de pecs effrénés? Eh bien, ça tombe bien, parce que ce soir, on raid. Bonsoir à tous, et bienvenue dans Ce Soir J'ai Raid, la seule émission qui te fait pexer plus vite que ton ombre. Ça y est, le cataclysme a éclaté, et nous allons devoir nous battre pour survivre. Mais l'actualité des jeux vidéo ne s'arrête pas là, et je vous propose de découvrir celle de cette semaine. À l'occasion de la sortie des World of Warcraft Cataclysm le 7 décembre, Blizzard a dévoilé une cinématique intitulée « Reforger le monde ». Elle montre aux joueurs l'univers d'Azeroth tel qu'il est après le réveil d'Eldemort et le déploiement de la nouvelle extension. Depuis le vendredi 3 décembre, Rift accueille ses premiers testeurs. Pour cette occasion, les studios Trion Worlds ont publié une bande-annonce promotionnelle. Les futurs joueurs pourront y découvrir quelques-unes des originalités du MMO, comme la gestion dynamique des failles ou les personnages combinés. Officiellement dévoilé lors du Tokyo Game Show, le MMO Reign of Assassins est présenté comme la suite du film éponyme réalisé par John Woo et mettant en scène Michelle Yeoh. Les studios Gamania ont annoncé sa sortie en bêta-test pour le 15 décembre prochain en Chine. Le jeu s'appuiera sur des phases d'action, mais aussi d'émotion en jouant avec celle du joueur. Oui, oui, là, tout ça c'est bien sympa, là, mais là j'apporte une phase délicate qui nécessite toute mon attention. Aussi, je vous propose de découvrir la sélection de la semaine. Je peux jouer tranquillement, bordel, là. Hola, Forban. Nous attaquons cette sélection de la semaine avec Pirate of the Burning Sea, développé par Flying Lab Software. Ce MMO vous emmène dans les îles Caraïbes au XVIIIe siècle. En bon capitaine, vous devrez arpenter les mers avec votre navire et piller les frégates adverses. L'action se déroule en 1720, alors que trois grandes puissances mondiales, l'Espagne, l'Angleterre et la France, se disputent les richesses des îles Caraïbes et le contrôle de ce carrefour commercial. En ces temps où les conflits se réglaient sur les eaux, le joueur pourra incarner un noble capitaine de marine, opter pour une carrière de marchand ou se glisser dans la peau d'un pirate sanguinaire. Il vous faudra aussi choisir vos couleurs, la riche Espagne, la puissante Angleterre ou l'expérimentée France.
Le jeu est exclusivement basé sur un système de compétences qui progresseront avec l'apprentissage et l'exercice, jusqu'à obtenir un haut niveau de spécialisation. Une fois votre équipage constitué, le navire est totalement personnalisable, en y apportant son propre contenu, texture et objets 3D à l'aide d'un outil spécifique. Sorti en janvier 2008 avec un abonnement, le jeu a ensuite évolué en free-to-play depuis novembre 2010. Cependant, certaines fonctionnalités ne restent accessibles qu'avec une boutique en ligne. Poursuivons cette sélection avec Rune of Magic, développé par Runewaker et distribué par Frogster. Ce MMORPG free-to-play reprend les classiques de l'Heroic Fantasy, plongeant le joueur dans un monde de magie où il croisera des créatures fantastiques et tentera de résoudre les mystères d'un ancien royaume. L'histoire se déroule dans le monde de Tabuera, où les humains étaient jadis guidés par Aivenas, leur divinité. Cependant, en devenant plus puissants, les hommes commencèrent à se déchirer mutuellement. Leur dieu, voyant qu'il perdait le contrôle de ses sujets, les laissa seuls, face à leurs responsabilités. L'originalité est de pouvoir compter sur les compétences de deux classes, l'une principale, l'autre secondaire, parmi les 6 disponibles, offrant ainsi 36 combinaisons différentes en plus des professions. Le jeu compte aussi une série de cartes in-game à collectionner, intégrant des informations sur les monstres et les lieux rencontrés. Le joueur pourra également acquérir sa propre maison et la décorer selon ses goûts. Côté gameplay, les principaux ingrédients sont là, PVE, PVP, donjons instanciés, guildes et montures. Le jeu est disponible depuis mars 2009 et depuis s'est vu renforcé par une extension. Pour clore cette sélection de la semaine, je vous propose d'enfiler vos collants et de découvrir City of Heroes, des studios NCSoft, le jeu où vous êtes le héros. Ce MMORPG vous plonge dans un monde d'action et d'aventure où il vous faudra arpenter les ruelles de Paragon City, ses gratte-ciels, ses bidonvilles, égouts, avenues, afin d'empêcher la montée de la violence urbaine, les crimes à répétition et déjouer les conspirations maléfiques. Parmi les classes proposées, nous avons le Blaster, DPS distance, le Contrôleur, Buff et Heal, le Défenseur, Soutien, le Ravageur, DPS, CAC et le Tank. Pour vous aider dans votre noble tâche, toute une panoplie de super-pouvoirs est là. Voler, soulever des voitures, courir à la vitesse de l'éclair, sortir des griffes de ses mains, lancer des lasers avec les yeux. De plus, votre avatar est personnalisable, via un système d'options étendu. Si tout cela vous paraît trop gnangnan ou bateau, vous pourrez opter pour City of Villains, la suite indépendante de City of Heroes, et ainsi passer de l'autre côté de la barrière. Les joueurs pourront former des groupes et ainsi agir en équipe. Un super groupe possédera son propre emblème et ses couleurs assorties. Le jeu est disponible en France depuis février 2005. Fred, ouvre-moi, c'est pas bien! Je suis poursuivi par un tueur! Fred? Fred, il arrive, il a pas l'air commode! Ah mon dieu, il a un couteau! Fred, me laisse pas tomber! Non! Ah! Donc de retour sur le plateau de 101% où j'aimerais bien faire une blague sur le fait que je passe après Slim. Et voilà, donc le Slim, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Parce que voilà, sachant qu'il ne faut pas le soit trop explicite non plus, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais la tourner Déjà, je pense que tu t'es foiré parce qu'il faut plutôt que passer après, c'est passer derrière. Passer derrière, ah oui. Là, voilà. Là tout de suite, la perche vers le côté graveleux est plus évident. D'accord, ok. Donc tu peux dire, je ne sais pas, ça fait mal de passer derrière Slim. Ça fait mal. Surtout à Slim, tu vois. D'accord, ok. Enfin, je pense qu'on est obligé d'être sale, en fait. Ouais, je pense qu'on peut pas... L'idée que tu veux dire, c'est que tu me... L'idée que tu veux véhiculer, c'est que... Dis-moi. Si tu t'es derrière moi, tu... Non, mais en fait, je pense qu'on n'a pas compris la même blague, en fait. C'est pas l'idée de je passe derrière toi. C'est l'idée que je passe après toi, genre avec quelqu'un d'autre, tu vois. Genre par rapport à une autre personne. Ah, moi, je pensais que tu passais vraiment derrière moi et que tu mettais dans le... Ça, c'est ton esprit qui voit ce genre de choses et je sais pas pourquoi. Pourquoi tu veux construire une blague avec moi, alors, si on... Mais non, mais je pensais qu'on pouvait faire une blague sur le fait de... Genre, je passe après toi, genre comme si on avait eu la même meuf, par exemple. Ouais, non, moi, c'est que tu passes derrière moi ou rien. D'accord, sinon, c'est pas assez drôle. Non, c'est surtout pas assez graveleux. Ouais. Bon, on y réfléchit. Either you have more toys than you know what to do with. Some of them could make other kids really happy. What kids? The children at the daycare. They're always asking for donations. What's daycare? Et de trois. Commencé en 1995, la saga Toy Story touche à sa fin avec ce troisième volet, sorti au cinéma cet été. On retrouve Woody, Buzz, Jessie et les autres jouets dans une dernière aventure toujours réalisée par le studio Pixar. Poor Barbie. I get the Corvette. On commande cette fois-ci non plus John Lasseter, mais un petit nouveau, Lee Unkrich, auparavant monteur sur le premier long métrage et co-réalisateur sur le deuxième. Le film nous revient aujourd'hui sous la forme d'un Blu-ray collector faisant honneur au travail accompli par les équipes de Pixar.
Anything that's not packed for college or in the attic is getting thrown out. Whatever you say, Mom. Le temps a passé et Andy, l'enfant à qui appartenaient les jouets, est maintenant en âge d'aller à l'université. Ne pouvant se résoudre à les jeter, il décide de les stocker dans son grenier. Malheureusement, un concours de circonstances les fera atterrir par erreur à la garderie Sunnyside, tenue par un ours en peluche débonnaire, Lotso. De nouveaux jouets ! Malgré l'appréhension de Woody, ce cadre semble idéal à la petite bande. Idéal dans un premier temps. Salut Robin ! Les jouets devront vite se serrer les coudes une fois de plus. Leur salut ne viendra que de l'affection d'une petite fille. Depuis les débuts du Blu-ray, Pixar nous a habitués à des transferts vidéo exceptionnels. Et là encore, le studio n'a pas failli à la règle. L'image est absolument parfaite, que ce soit en matière de transfert, de restitution des couleurs ou de la compression vidéo. Mais quelle surprise ! Seul bémol, l'absence de la version en relief, technologie pour laquelle le film a été conçu à l'origine. Rappelons à ce sujet qu'un Blu-ray 3D stéréoscopique reste compatible avec un écran HD classique via le lecteur. Il serait donc temps que les éditeurs proposent cette version par défaut plutôt qu'un doublon en DVD ou qu'une version 2D qu'il nous faudra remplacer dans les années à venir. Oh, épouvantable ! Tout aussi spectaculaire, la partie son nous propose non pas 5, mais carrément 7 canaux en DTS HD Master Audio, que ce soit en VO ou en VF. D'ailleurs, l'équipe de doublage des films précédents a été réunie de nouveau et l'ensemble est de très bonne facture. Monsieur Lotso, les enfants d'ici jouent tous les jours avec les jouets ? Du matin au soir, 5 jours par semaine. Mais qu'est-ce qui se passe quand les enfants grandissent ? J'allais y venir, ma jolie. Côté bonus, on trouve tout d'abord sur le disque du film le court-métrage Jour et Nuit. Celui-ci, diffusé en salle avant le film, mélange 2D et 3D CG. On y trouve ensuite un reportage sur la NASA commenté par Buzz, ainsi que diverses anecdotes de tournage. Pas de cœur brisé. C'est un vrai miracle. Et toi qui voulais qu'on reste chez Andy? Parce que nous sommes les jouets d'Andy. Fine. Non. Who wants lunch? Beep boop beep boop. I have the secret ingredient. Jelly beans. Un deuxième disque contient, quant à lui, plusieurs modules concernant le doublage, la technique et la vie chez Pixar. Un quiz sur l'ensemble des trois films essentiellement destinés aux plus jeunes. Et pour finir, l'intégralité du film commentée interactivement par l'équipe de réalisation à l'aide de diverses séquences qui apparaissent en incrustation. On y apprend par exemple que le département recherche et développement s'est heurté à un problème inattendu, le rendu réaliste des sacs poubelles. Alors, qu'en est-il de ce Toy Story 3? Malgré quelques séquences un peu disneyennes, ce film riche en émotions est le final que beaucoup de fans attendaient. Sa version Blu-ray devient quant à elle une nouvelle référence pour convaincre les réfractaires à la HD. Il vous emmènera vers l'infini et l'au-delà! Bah oui, fallait bien la faire une dernière fois celle-là. Are you a real cowboy? Well, actually... Of course he's not pea brain, he don't even have a hat. I do too have... My hat! Told ya. I found a spaceship! Showtime! Quick, get in! Fasten your seatbelt! Close your tray table! Hold on! Might get a little bumpy! 3, 2, 1... Présenté par l'éditeur Kaze lors de la dernière édition de Japan Expo, Karakuri Doji, Ultimo, est le fruit de la collaboration de deux stars de l'art séquentiel. Le scénario est signé Stan Lee, le papa de Spider-Man, Daredevil, Hulk, pour ne citer qu'eux. Au dessin, on retrouve Takei Hiroyuki, le créateur de Shaman King. Le mangaka n'avait rien fait de bien marquant depuis. Yamato est un lycéen de base, secrètement amoureux d'une de ses camarades de classe, évidemment. Il se retrouve avec un jeune garçon nommé Ultimo sur les bras. S'éveillant d'un long sommeil, ce dernier semble reconnaître en Yamato le maître auprès duquel il avait combattu 9 siècles plus tôt. On l'aura compris, Ultimo n'est pas un garçon normal. Il s'agit en réalité d'une marionnette de combat construite par un mystérieux vieillard. Il est censé incarner le bien ultime. Qui dit bien, dit forcément côté obscur, et le vieil homme n'a pas manqué de créer plusieurs marionnettes représentant le mal absolu. Son unique but, voir qui remportera la dernière bataille, tout simplement. Ultimo est un shonen pur jus, avec l'inévitable duo maître-force mystique que l'on pouvait trouver dans Shaman King, mais aussi dans nombre d'œuvres comme Jojo ou encore Fate Stay Night. Ce premier volume sert surtout à introduire les personnages et le contexte de l'histoire. Cela ne permet pas vraiment de se faire un avis quant aux aventures de Yamato. On attendra donc la suite pour enfin voir de quoi il en retourne.
Dis-moi, Justine, j'ai entendu ton plateau, donc tu disais que donc, j'étais mauvais, donc mauvais comme présentateur. Déjà, je dois te dire un truc, c'est que je suis comédien. Je joue dans le J'ai jamais su dire non. Hein, oui. Ouais, non, non, ouais. Bah, c'est une vraie série, je suis désolé. Oui, c'est. Oui. Voilà, et donc. C'est une vraie série, je confirme. Oui, voilà, il confirme. Qu'est-ce que. T'étais où? Ben, j'étais juste là en fait, j'attendais de rentrer pour parler de la soirée spéciale. D'accord, ok. Mais je ne t'ai pas vu en fait. C'est parce que j'étais hors champ, mais. On... Ah oui, c'est le problème du hors champ, exactement. La soirée. Voilà, donc. La soirée. La soirée, bah, je fais rien après. La soirée en mode télé, là, il faut y aller. Il faut y aller en mode télé. La soirée visite. Ah oui, excellente transition, les amis. Puisque ce soir, retrouvez-nous, peut-être dans quelques minutes, pour la soirée Visiteurs du futur. Il y a de la musique ou pas? Parce que je danse en fait. Il y a un rythme, ouais, mais c'est pas celui-là forcément, quoi. Mais. On va changer de rythme, ok. Voilà. Plus lounge. Voilà. Donc, retrouvez-nous dans quelques minutes pour la soirée Visiteurs du futur. Alors, la soirée Visiteurs du futur, qu'est-ce que c'est, les enfants? Eh ben, c'est en fait une soirée qui commence par l'intégrale de la saison 1, suivi de, pas l'intégrale, mais les trois premiers épisodes de la saison 2, suivi de... des making-of, oui. Des trois premiers épisodes de la saison 2. Voilà, exactement. Donc c'était un peu compliqué comme ça. En tout cas, vous avez juste à regarder et ça va très bien se passer. Voilà, donc retrouvez-nous dans quelques minutes. Ça va être super, je pense. Justine est sur une caisse. Absolument. Voilà. Voilà. Et je l'ai mal détaché. Mais non, mais ça, je suis désolé. On est censé ne pas montrer les artifices. Les gens, ils sont encore à la télé, ils veulent une illusion. Ils croient que c'est la vérité, ils croient que c'est des vrais gens, ils croient que là, on casse tout. Là. Tu vois, là, on voit pas qu'il y a des tubes derrière qui bougent, etc. Mais pour les gens de la télé, c'est important d'avoir cette illusion. Sinon, ils pètent un câble, quoi. Ouais, c'est moche, Simon. Mais tu ne pars pas en ascenseur puisque tu n'es pas. Voilà. C'est vrai, mais moi, j'ai envie. Mais non, voilà. Non, ça me change le côté, ça me change.